J'aimerais impatient de te voir. Tu es toujours là pour moi, Sakune. Quand je suis avec toi, je suis le pirate le plus vénard des mers. Mais ils vont me manquer. Ils étaient mignons. Attendez-moi. Attendez-moi. Et bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour un nouvel épisode de... Dédoré. Tiny Tina Wonderland avec Ryan. Quelle chance, dis donc. Oh bah c'est bon. Grosse chance. C'est bien ça. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Y'a rien d'autre. Ah si. Oh la vache. Il y a très longtemps que je n'ai pas vu un coffre de ce genre. Oh putain, je l'avais jamais vu celui-là. J'avais le nez creux. Ça fait longtemps. Je te rappelle que c'est littéralement ce qu'on a ouvert l'épisode précédent. Certes, mais ça comptait pas comme un coffre lootable. Certes. C'était un coffre de quête. Bon allez, t'es prêt? On va attaquer de la Wyvern pour l'instant, pour commencer. Les forces des ténèbres approchent. Ok, je descends. J'ai raté l'eau. Moi, je suis tombé. Sans vouloir en plus. T'es tombé dans l'eau? Même pas. Oh. Ok. Je vais me faire un peu le spécialiste des armes. Des bandits. Skull Dagger. Ouais, des bandits. Si tu le dis. Ouais, je les appelle comme ça parce que c'est des armes de merde, mais qui ont quand même un certain avantage par moment. Et t'es où? Ah, t'es là-bas. Bon bah, on se sépare. Mais si tu trouves du loot, faut bien que j'aille le récupérer, moi. Je sais. Ah, d'accord, ça doit être une sortie. Mais qu'est-ce donc que cela? C'est une feuille de poésie, bébé. Oh, merci Tina. J'avais pas vu. Dans un bar interlope, je reçus bon accueil lorsqu'un charmant cyclope m'adressa un clin d'œil. Il vous plaît le poème? Vous pourrez écouter la suite à la taverne de Savoir. Oh, quête secondaire ici. Ah bah... Assez sympa. Ça t'ennuie de regarder par ici? Sauf si tu as déjà affaire. Ce que je comprendrais parfaitement. Flèche arcanique. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Je suis dans une panade incroyable. Montrez que vous avez de la ressource pour remédier à cette situation épouvantable. Merci de bien vouloir t'arrêter. Moi, c'est Sully. Et je suis coincé dans ce mur. Franchement, j'ai rien vu venir. Comment t'as réussi à bloquer le réservoir? Je suis un féru d'histoire. Et mes recherches m'ont conduit à ces ruines. Et dans lesquelles serait caché l'ancien diadème de Cornée. Mais l'eau a tout englouti. Et je suis resté coincé alors que j'essayais de m'enfuir. Le mur est trop solide pour que je puisse le démolir avec mon équipement. Dommage. J'ai eu pas mal de temps pour réfléchir ici. Et voici ma conclusion. Et si la pression de l'eau augmente derrière moi, alors je devrais être éjecté du mur. Bonne idée. Essaie les interrupteurs. Et il y a des choses antipathiques dans les parages. Alors, si tu pouvais te remuer un peu... Enfin, sans vouloir te commander... Mais il est sympa ce mec. Non, t'en fais pas, mec, hein, t'en fais pas, on comprend. Merci, tu as réussi. Oh, je sens que ça commence à... Oh putain. Oh non. Ah, tes potos cyclopes sont de retour. Je les laisse prendre le relais. Non, va-t'en, vite.
Salut les gars. Ça fait plaisir de vous voir. Oh, flûte. Au secours. On est là. Bien joué, Willy. Oh, Willy qui a apporté un tonneau d'explosifs sur leur gueule. Ça a failli me tuer. Hein. Ah, désolé. Merci la compagnie. J'ai failli claboter. Mais alors que j'étais sur le point de canner, j'ai aperçu un deuxième interrupteur. Oh bien que ça devrait faire la paix. M'en charge. Parle-moi un peu de ces affreux. Ceux que je viens d'oxyre. Et qui le méritaient. Non, les autres cyclopes me cherchent des noises. Tout ça parce qu'ils n'aiment pas vraiment l'archéologie. Et qu'ils préfèrent tuer des gens. Je suis différent. Il n'y a rien que je méprise autant qu'un combat déséquilibré. Je suis d'accord. T'as un grand cœur, toi, tu sais. Oui, parfait. Bon, allez, tire un petit coup sur le vieux Sully. Bon, bah, excuse-moi, hein. Ça risque de piquer. Ah, bah voilà, c'est bien mieux, pas de doute. Fort. Bon, comment tu fais pour parler si t'as qu'un œil? Télépathie. J'ai bien l'impression qu'il te manque un bon morceau de toi. Ah, ben voilà. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Le reste de mon corps a dû rester coincé. C'est dans les ruines. C'est les ruines. On devrait pouvoir le retrouver, n'est-ce pas? Il y a trop de caillasses. Toc toc, c'est nous, excusez-nous. En fait, passer. Faut faire attention à rien casser en fait, parce que bon, ruine archéologique quoi. Yep. Oh, ah, hein. Le blanc. Oh. Hey, mais c'est mon corps ça. Ah, chic chic. J'ai enfin l'impression d'être moi-même. Enfin, bref. Ça change rien au fait que je suis coincé ici. J'aurais dû un peu plus réfléchir, je crois. Bon, ça va. Je veux pas te déranger plus longtemps. Tu m'as beaucoup aidé, déjà. Tu peux juste me laisser crever ici, y a pas de problème. Bah non. Bah non. Non, je vais trouver quelque chose. Sans sas, je bouge pas d'ici. Voyons voir ce qu'on peut faire pour l'aider. Remonter par là, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Tiens, là, il y a un levier. C'est celui-là. On va ramener de l'eau, en fait, je pense. Et pas qu'un peu. Sacré bon sang de bois, ça marche. Ouah. Même après tout ce temps. Oh, on en fait plus des comme ça, pas vrai? Allez, reviens par ici, camarade. Allez, remue-toi et suis-moi. On peut encore trouver le diadème de Cornée. Des artefacts rares, je suis tout ouïe. Eh bien, historiquement, le diadème de Cornée appartient au souverain véritable des Cyclopes. J'imagine que c'est également un objet en or massif, avec plein de bijoux hors de prix, mais ça... ça ne m'intéresse pas. T'as bien raison. Oh, flûte alors, c'est inondé! On va devoir arrêter cet écoulement. Ou alors, on laisse tomber et on fait demi-tour. Les deux sont possibles. Un bon gros défaitiste, toi. Tiens, j'ai un levier. C'est quand même bien chouette d'avoir un peu de compagnie quand on fait une plongée archéologique. D'habitude, il n'y a personne avec moi. Et j'aime pas trop ma propre compagnie. Oh, le pauvre. Mais non, tu es merveilleux. Et je te présente des excuses au nom du monde entier pour le comportement ignoble des autres cyclopes envers toi. Tu marques un point. Franchement, je sais pas ce qui leur passe par la tête. À part zigouiller tout ce qui bouge, il n'y a rien qui les intéresse. Bah c'est des cons. C'est sûr. Vas-y. Sans sas, on a réussi. Je ne veux pas paraître déplacé, mais tu devrais peut-être apprendre à nager. Tu ne crois pas? C'est rudement utile comme compétence. C'est vrai, mais dis-moi. J'ai tous mes points de compétence dans la défense des plus faibles. Et dans le macramé, ce qui pour le moment me sert assez peu. Bien mes yeux. C'est vraiment flippant. Je serais mort plusieurs fois sans toi. Heureusement qu'on s'est croisés aujourd'hui, là. Hein. La compétence de main cramée, t'es sérieux? On a tous des passions dans la vie. Je peux lancer mon sort.
Waouh. Touché. Ce n'était peut-être pas nécessaire. Que fais-tu ici? Oh bah on te tue, complètement. Tu parles d'un défi. Aïe. De mes années d'études. Aïe. Tout ça se trouve derrière ces portes. Qui c'est qui a fait péter ce baril à côté de moi? Pas moi. Champi. Willy. Pas lui. Willy. Peut-être. Ah putain, mon inventaire est plein. Fallait bien. Le diadème. Décris-le-moi avec précision. Est-ce qu'il est lourd? C'est comment au toucher? Fais voir. Ça a l'air merdique, mais c'est peut-être qu'un air. Hein. Pour le roi cyclope des cyclopes. Oups. Oh merde. On a un problème. Oh non. Oh ce. Si j'avais deviné. Oh ce. Ah non. J'ai adoré ce oh non qui nous a fait celui. Ça c'est pas joué à grand chose, pas vrai? Attendez-moi. Pour que je puisse voir le diadème. J'aime bien le descriptif de la quête sur ce point-là. Quittez, échappez-vous et en objectif secondaire, sans mourir. Là. Est-ce que tu viens de mourir? Il a pas voulu s'agripper. Bah c'est parce que t'as dû toucher l'eau avant. Et allez, on se réveille. Il y a des croissants. Des croissants? Où ça des croissants? C'est un miracle. Croissants. Bah elle a parlé de croissant. Mais y'a pas de croissant, grognasse. Oh mon break. Putain, y'a mon perso qui s'énerve lui aussi. J'arrive. Dédé. D'accord. Ah oui, j'oublie un truc important. 50 000. Mais on sera le butin. Ils m'ont piqué 50 000 les enculés. Bah écoute. On a réussi. Jamais je n'aurais cru qu'on pourrait. Oh non. Oh putain, il est là encore plus débilise que l'autre. En toute honnêteté, c'est moi qui étais visé au départ. Pourquoi je suis toujours dans le sens du vent par rapport à toi? Oh là là! Je crois que c'était le dernier. Voilà! Je suis libre d'explorer les ruines tout mon sou à présent! Quelle aubaine! Oh. Ils l'ont pas volé, ces affreux! Hé! Hey, essaie un peu le diadème! C'est sûr que ça tira à merveille! Je suis d'accord! Et tiens, mon grand! En tant que. Aventurier expérimenté, je te fais sacré roi des cyclopes. Qui? Moi? Que je porte ça? Mais c'est destiné au véritable chef des cyclopes. Et moi, je suis juste... celui. Il est mignon. Exactement, les autres cyclopes avaient tout faux. Et regarde le résultat, ils sont morts de chez mort. Toi, tu déchires. Tu devrais trouver d'autres cyclopes qui déchirent et former ta propre bande. Ben voilà. Tu sais quoi? Hier encore, je n'avais jamais imaginé une chose pareille, mais... Tu m'as transmis tellement de confiance en moi que je dois dire que... Je crois bien que je vais le faire. Merci, camarade. Je n'oublierai jamais tes paroles. Désolé, je crois que j'ai une poussière dans l'œil. Bien sûr. Il est adorable. Oui. T'en fais pas, c'est juste qu'il y a beaucoup de sable autour. Hein. Ah oui. On est dans une oasis. C'est-à-dire qu'on est proche du désert, tout ça. Bon, moi faut que je vide mon stuff. A plus tard, Sully. A plus tard, Kame. Ah, toi aussi. Bah oui, je viens de te le dire en plus. Attends, où est-ce qu'on en était Ah oui, on avait autre chose à faire. Prouver ton innocence. Pas celle-là.
pouvoir des mers et vous l'herbe. Je brûle. C'est-à-dire que ce que tu cherches n'est pas loin. Je peux relancer des sorts. Sinon je suis assassin, parce que putain, cette marche à pied. Tu pourrais dire pardon. On a qu'un seul lieu de téléportation pour l'instant. Oh, enfant de Salissa, bonjour. Au revoir. Non, tu croyais vraiment que t'allais gagner, c'est ça? Ça, c'est du coup de grâce. Pas ici. Non. Et 30 ans que je te rejoigne. En attendant, je m'amuse bien avec mes petits monstres. Ah, te voilà. Ça marche à chaque fois. Disparaît là. La bombe de la horte. D'accord, c'est maintenant qu'il s'affiche. J'ai récupéré un cœur sans le vouloir. Ah bon? Ouais. Parce que là t'es pas ton... La quête est pas sur notre quête actuelle là. Ah mince. Voilà, je l'ai mis. Merci. Récupérer des cœurs de Work des Mers. Ah ouais d'accord. Le morceau le plus goûtu du Work des Mers, si vous voulez mon avis. On a commencé à le dire en même temps, sérieux. Je sais. Il en manque qu'un. Ah la vache, il est parti loin, lui. Ah, enfin. À présent, trouvez le tombeau de glace éternelle dans lequel sa forme matérielle est prisonnière. Votre route sera semée d'embûches. Vous devrez tout d'abord... Foncer dans le tas. Ne vous embêtez pas, je n'ai qu'à suivre le marqueur sur ma carte. Vous possédez la vision? Je vous le confirme. Cela demande des années de pratique. Ah! Presque dans mon estime. Presque. Pas. J'aurais nettement préféré que tu te battes avec des lames. Mais ils me font chier les mimiques! Donc du coup, nous avons la vision. Prenez qu'est-ce garde. Que c'est? Les Ophidiennes sur place seront probablement hostiles. À cause de ce que vous avez fait. Ce qu'il a fait? Avec le coffre. Ce ne serait pas un problème si vos talents égalaient les miens. Pour le coup, c'est la faute d'Alrain. C'est lui qui a touché. Petit curieux. Bah, c'est parce que tu me l'as demandé? Non, non. C'est toi qui as touché. C'est toi le coupable. Alors... C'est toi qui me l'as demandé, hein. Ton contrat, c'est toi qui es responsable. Wow. Le problème, c'est que il n'y a pas de contrat physique. Donc, c'est pas une excuse, hein. Un contrat reste un contrat, peu importe la forme. Je te rappelle que c'est moi qui ai fait des études en droit, pas toi. Oh putain, mais il y a pas mal de thunes là. Il y avait des brigands dans le tas, donc. On va chercher les meilleurs. En garde. Ah, on l'a gelé sur place. Et sauté sur place.
pour la pro. Voilà qui est fait. Tac tac changer. C'est nous. Trouvé. Ah non, ça c'est la perle. Vous avez trouvé une perle. Vous vous souvenez ce qu'il faut faire, hein? Parce que moi, non. Ah. Et merde. Encore. Ouais, tu l'as encore pété avant qu'elle finisse son dialogue. Ah. Laisse de con. Navré les gens. Oh. Un gros caillou de glace. Oh, et un point de téléporte. Parfait. C'est bon. J'ai trouvé le tombe. C'est quoi la suite? Non, j'avais oublié votre bêtise abyssale et votre ignorance crasse quant à la prophétie. Enterrez les cœurs, triple buse. Ok, moi je vais lancer le dé doré. Comment ouais. Peut-on causer autant de dégâts en ayant si peu de culture? Ben, généralement, on fait des dégâts parce qu'on n'a pas de culture en fait. Ouais. Parce que si on savait pour cette histoire de prophétie, j'aurais pas accepté le contrat avec Kame. Hein. On peut dire qu'on fait demi-tour pour aller taper du genre. Prophétie, vous devez à présent acquérir... Ah putain, tu peux voir sa gueule à travers la glace. Ouais. Immonde. Reliques de combat, des vizirs officiels. J'ai l'impression que la quête est en train de planter. Elle ah non, c'est moi qui plante. Oui. Ah. Ça explique pas mal de choses, y compris le logo qui est en haut de mon écran. Allez. Où est-ce que t'étais parti, toi? Tu parles. Toi. Moi je suis toujours là. Non mais t'étais mort. Ben, de pas de mon point de vue, tu vois. Oh la vache! T'as l'air perdu! Va te montrer la sortie! Aïe 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 aïe! Réinvocation en cours. Ah! Au secours! C'était les mutes! Pourquoi j'ai pas adopté une route, c'est pas mienne plutôt? Oh, regardez, c'est un de ces machins qu'il vous faut. Vous avez de la chance que je sois arrivé, car je suis le seul à pouvoir vous expliquer comment réparer les dégâts provoqués par votre incompétence incommensurable. Il va finir par se prendre un pain. Je suis d'accord. Je sais pas, il me plaît de plus en plus, en fait. Val. T'es sérieux, là? Ouais, son petit côté. J'en ai plein le cul de vos conneries. Ça commence à me séduire. Je sais pas trop pourquoi, à vrai dire. Moi non plus. Ok. T'es revenu, Ryan, au fait? Bah non! Oh, c'est pas vrai. T'es censé le voir quand je suis de retour. Ah, c'est bon, je le vois. J'ai presque envie de changer de perso, sérieux. Et on se demande pourquoi. Parce que ça m'énerve. Bon bah, je vais continuer à chasser. Donne ces écailles pour quelque chose. La meuf, elle faisait des roues. Ouais. Mergue. Bouge pas, bouge pas. Aïe 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 aïe. Oh. Ce monde n'est pas pour toi. Merde, je voulais te sauver. Parce que c'est moi qui ai fait péter le tonneau. Mon petit. Ah. Peut-être. Oh, les champis. Oh.
Bon, fusionner, ça fait une bonne odeur. Oh, t'es sérieux? Eh, regarde, y'a des pattes de crabe ici. Hein? Des pattes de crabe ici. J'arrive, j'arrive. Bah, oui, c'est un vrai marché là, regarde. Ah oui. Ah ouais, des crabes araignées, oui. Tu trouves? Bah, ça vu la être... longueur, ça doit être un bébé. Hein. Tu vas faire un tour. En garde! Modèle standard. Le sort s'acharne. Ouah, le temple de l'effroi au fond. Allons nous attaquer. Le temple de l'effroi. Ouais, là où il y a le boss. La pyramide. Merci. Oh. Et... bon, dépêchons-nous. Il faut qu'on élimine la visière du feu et la déesse. Tout ça en moins de 5 minutes. Ça va pas être possible, tu sais ça. La prochaine fois, choisis une cible moins coriace. T'es en train de les ignorer, c'est ça? C'est ça. D'accord. Putain, je suis bientôt au level max, je viens de me rendre compte. Pareil. Hop là. On va pouvoir débloquer le rang mythique. Et tu vas rien comprendre. Avec tout ce que tu m'as expliqué, j'avais déjà pratiquement rien compris. Hein. Bah, parce que je t'avais expliqué comment tu trouvais le rang mythique. Parce que... ah, merci. Ça c'était pour le tonneau explosif, j'imagine. Pas du tout. Ah là voilà. Vous avez donné une bonne leçon à cette plaisir. Bravo. Votre capacité à récolter des objets est étonnante. Et par étonnante, j'entends navrante. Bien, revenons à nos scoutons. Connard. Connard. Même Geralt n'est pas aussi... bah, Geralt ouais, n'est pas, il n'est juste pas. Oui, c'est vrai, il est pas aussi connard que toi. Non, il est juste pas connard. Disposez les reliques afin de perturber l'enchantement qui protège le tombeau. Mais rouge. Pourquoi... attends, mais si ce sont les vizirs de Salissa, pourquoi ils empêcheraient la résurrection de leur déesse? Tu poses trop de questions là. La place est parée. Détruisez-la afin de libérer la forme matérielle de Salissa. A toi l'honneur. Alors, bah moi j'allais dire honneur à celui qui a le fusil de précision. Parce que si tu peux la libérer et carrément lui mettre une balle entre les deux yeux. Ah parce que c'est ça ton fusil de précision, je pensais que c'était l'autre. C'est celui-là. Non, moi c'était la carabine tout à l'heure. Ouais. Wow. Le corps de Salissa va se reformer dans la salle du trône. À présent, passons à son esprit. J'estime qu'il devrait se trouver au sanctuaire des déesses. Rendez-vous-y. Immédiatement. Ça va. On est en chemin. Encore? Mais il y a des... je vous accompagnerai bien, mais j'ai moult choses à faire. Terrasser des monstres, recueillir des composants, pousser des femmes, terrasser des monstres. Enfin, vous voyez. Oui, non, ça par contre, c'est assez fidèle à ce Geralt. Ah non, ce chaud. Non, mesdames. J'ai rien pour vous. Dégagez. Qui attend d'être pillé. Il n'y a pas de honte à perdre face au meilleur. Checkpoint. Ah, 500 ophidiennes au total, et bah putain. Oh.
des wards des mers encore. Génial. Plus besoin de rembourser mes crédits. Génial. Plus besoin de rembourser mes crédits. Pas mal celle-là. Bon, je vois que monsieur a décidé de pas combattre en chemin. On a plus de temps. On doit faire combien de vidéos, tu m'avais dit? 8. On en est à combien? 5. On a le temps. J'aimerais bien le finir vite. Ah bah ça c'est tout le camé ça, hein. Il préfère tout rusher.